Le président de la Confédération africaine de football, le Dr. Patrice Motsepe, est au Cameroun. Le patron de la CAF est venu pour les festivités liées à la Coupe d'Afrique Nation Cameroun Total Energy 2021. Dans la foulée, il a présidé les travaux du comité exécutif de la CAF ce jour dans la capitale économique du Cameroun, Douala. Toujours en rapport avec la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun Total Energy 2021, les délégations sont dans l'ensemble dans le pays d'Albert Roger Mila, de Samet Office et de Rigobert Sombahanak. Ces équipes affichent leurs armes, rappelant que le match d'ouverture est prévu au stade d'Olembe à Yaoundé en présence de Paul Biya, et pour l'occasion des mouvements d'ensemble ont été répétés encore ce jour dans cette encre du football camerounais et même mondial. Et puis à l'international, nous reparlons de ce fameux 6 janvier 2021. On se souvient encore comme c'était hier, cette prise d'assaut, cette attaque pratiquement contre la démocratie américaine, même si le président américain parti, Donald Trump, parle d'une mascarade de justice en rapport avec ses partisans. Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de votre extrême fidélité. Bienvenue à cette édition de l'information du soir sur la télévision du monde. Nous l'ouvrons principalement en sport et en rapport avec la Coupe d'Afrique Nation Cameroun Total Energy 2021. Le président de la Confédération africaine de football est au Cameroun. Le Sud-Africain Dr. Patrice Motsepe a foulé le sol du territoire de Paul Biya, de Samuel Etofis et de d'abord, Roger Mila en matinée de ce vendredi 7 janvier 2022 par l'aéroport international de Douala, accompagné de son épouse, et il vient justement participer à l'ouverture de la Coupe d'Afrique Nation Cameroun Total Energy 2021. Il a d'ailleurs dit toute sa satisfaction au regard de tout ce qui a été mis en œuvre par le Cameroun de Paul Biya. Les précisions de Perlin Bayon. Comme annoncé lors de sa dernière visite au Cameroun, le président de la CAF, Patrice Motsepe, et son épouse ont foulé le sol camerounais ce vendredi. Il est accueilli par une importante délégation conduite par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Vahadiboua. Après quelques civilités, les différentes parties se sont installées sur la table des échanges. Le président de la CAF se réjouit du déroulement des événements et reste confiant pour la suite. Nous voulons que cette fête du football au Cameroun soit la meilleure. C'est une compétition à la dimension des autres compétitions du monde. Un grand défi, et j'aimerais remercier le président Paul Biya. Un sentiment de satisfaction anime donc le patron du football africain. We want Africa. We want the world to see the best of African football. Durant les 4 prochaines semaines, nous voulons donner le meilleur du football africain aux yeux du monde, et je suis confiant que le succès sera au rendez-vous. Nous pouvons le faire ensemble et contribuer ainsi au développement de notre continent. C'est donc dans une ambiance conviviale que le président de la Confédération africaine de football et son épouse ont quitté l'aéroport international de Douala. Toujours en rapport avec la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun Total Energy 2022, il y aura de l'électricité dans l'air, précisément au sein de la poule M, des poules les plus enlevées de cette compétition africaine. Si la Tunisie est office de favori, le Mali, la Mauritanie ou encore la Gambie n'entendent pas jouer le second rôle. Les précisions, une fois de plus, de John Duncan. Quatrième de la zone Afrique du dernier classement FIFA, la Tunisie apparaît comme l'équipe favorite de la poule F. Amenée par le coach Mondaïr Kabeyr et le redoutable buteur Wahbi Kasri, les Aigles de Carthage peuvent compter sur leur expérience dans cette compétition, dans laquelle leur pays totalise 20 participations et un succès en 2004 à la maison. Les Tunisiens ont aussi à leur avantage un parcours sans faute lors des éliminatoires, 5 victoires en 6 journées, la seule équipe avec plus de victoires lors de la phase qualificative.
sportive. Les Aigles de Carthage seront en concurrence directe avec les Aigles maliens, l'autre grosse tête de ce groupe F, contre qui ils disputeront leur premier match le 12 janvier prochain. Et du Mali, parlons-en, avec 12 phases finales de la CAN, sera conduit par un sélectionneur local, Mohamed Magasouba, en place depuis 2017. Le capitaine Amari Traoré et ses coéquipiers ont reçu un renfort de taille, celui de Yves Bissouma. Le milieu de terrain du club anglais de Brighton fait son retour en sélection après une absence depuis 2018 pour des soucis avec la fédération. Autres joueurs maliens en forme, Amadou Aïdara ou encore Dadier Samasekou. Les Aigles voudront surfer sur leur beau parcours en éliminatoire du Mondial 2022 avec leur qualification pour les barrages. Pendant les éliminatoires, les Maliens ont dominé leur groupe finissant premier avec 13 points devant la Guinée pour un total de 4 victoires, une seule défaite et un match nul. Dans ce groupe F donc, ils joueront la Mauritanie qu'ils connaissent pour avoir pulvérisé les Morabitou 4 buts à 1 lors de leur premier match pendant la CAN Égypte 2019. Et les Morabitou, eux, ils joueront leur deuxième CAN d'affilée. La Mauritanie fait phase finale de la CAN pour la première fois de leur histoire cette année au Cameroun. Les Scorpions, comme on les appelle, ont surpris en éliminatoire finissant premier de leur groupe F avec 10 points devant le Gabon, l'autre qualifié du groupe, la RDC et l'Angola. Cette performance du sélectionneur belge Tom Saint-Fiet et du capitaine Pamodou Diagne fait des Gambiens une équipe à surveiller. Ils ont aussi l'avantage d'évoluer avec de nombreux joueurs locaux peu connus de leurs adversaires. Mais les Scorpions s'attendent sans doute à un apprentissage difficile et peut-être même douloureux face aux expérimentés maliens et tunisiens et l'accrocheuse équipe mauritanienne. À noter que les équipes de la poule F joueront leur match au site de l'Imbe Boya et les rencontres débuteront le 12 janvier 2022. La CAN Total Énergie Cameroun 2021 fait l'actualité de Cameroun et à raison de cette compétition, la circulation routière a des perturbations fortes et à raison de ces perturbations, les autorités administratives de la ville de Douala, de la ville de Yaoundé également et de bien d'autres parties concernées par cette compétition ont apporté des précisions ainsi faciliter la mobilité des hommes et des biens dans les localités. Qu'on trouve en Perlin Bayon pour avoir plus de détails. Selon le communiqué du délégué régional de la Sûreté nationale du littoral, à partir du 11 janvier 2022, les Doualais vont désormais rouler sur le chemin du nouveau plan de circulation routière mis en place à l'occasion de la CAN. Il est question non seulement de sécuriser les déplacements des sélections nationales, mais aussi de permettre la poursuite des activités quotidiennes des citoyens. Ce plan de circulation s'appliquera 2 heures de temps avant le début de chaque match au stade du Japoma. Les équipes officielles, délégations étrangères et personnalités emprunteront la nationale numéro 3 qui sera libérée à partir du carrefour Marché des Fleurs jusqu'à l'entrée triomphale du stade. Impossible donc pour les usagers d'emprunter cet axe à ce moment, mais ils pourront se servir des points de traversée prévus au carrefour Marché des Fleurs, échangeur Nelson Mandela, carrefour des Billes, marché Ndokpassi, Harry et Yassa. Pour ceux venant des DA ou désirant effectuer le mouvement inverse, des points de déviation sont prévus du pont sur la Dibamba jusqu'à Total Nkolmboum. Ils pourront poursuivre leur chemin par Total Lokbaba ou PK12. La circulation sera réglementée pendant que les matchs se jouent et sera à nouveau interrompue 30 minutes avant la fin de la rencontre. Le retour à la normale s'effectuera après le départ des acteurs à leur lieu d'hébergement. Du côté de Yaoundé, 3 têtes de ligne de minibus sont prévues pour faciliter le déplacement de la population vers le stade d'Olimbé pendant les jours de match. Ils pourront partir du boulevard du 20 mai ou du rond-point Longkak ou encore du carrefour Bata Longkak. L'objectif est de fluidifier la circulation sur l'axe Longkak-Olimbé jusqu'au 6 février 2022. Bafoussam, dans la région de l'Est du Cameroun, la fièvre des préparatifs monte de plus en plus chaque jour qu'on se rapproche progressivement du jour dit, jour tenu pour l'ouverture de la Coupe d'Afrique Nation Cameroun Total Énergie. Les habitants restent mobilisés et particulièrement
enthousiasmé pour se mettre dans la mouvance de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun Total Energy 2021. Certains ne manquent pas d'aller se préparer déjà à la maison avec leur poste téléviseur ou alors s'acquérir des billets pour avoir accès dans les stades, notamment celui de Kouékon à Bafoussam. Retrouvons Blanche, Mireille Boiliki et Herbert Kouamo dans cette partie du tribunal national. Depuis la confirmation de la tenue de la CAN Total Energy Cameroun 2021 du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun et depuis la confirmation de sa tenue dans la ville de Bafoussam qui abritera les rencontres de la poule B, une frange des habitants de la cité capitale de la région de l'Ouest souhaite regarder les rencontres devant leurs petits écrans. Ah, c'est ma petite fille qui a été gâtée depuis. Bon, comme la CAN est proche, je vais amener ça chez le télécène pour qu'il puisse que je puisse vivre la canne à la famille. Et pour cela, les ateliers de réparation des appareils électroniques ne désemplissent pas. C'est chacun qui met son téléviseur à jour avant le démarrage de cette grande compétition africaine de football. Pas de répit pour les techniciens qui font des pieds et des mains pour satisfaire leur clientèle. Chacun veut regarder la canne chez lui et avec ça, nous sommes dans la pression du travail. Et en principe, nous faisons tout et tout pour pouvoir satisfaire les Camerounais. Dans les espaces marchands de vente d'appareils électroniques neufs, ce n'est pas encore la grande affluence. Toutefois, les commerçants gardent espoir. Avec la CAN qui se joue chez nous dans quelques jours, il y a quelques clients qui viennent, malgré le prix qui a légèrement augmenté, et malgré la crise économique, certains clients parviennent quand même à trouver les comptes. Les gens se manifestent tout le moment, ils ont besoin de télé pour avoir de belles images. Le problème, c'est la bourse qui est un peu limitée. La fréquence d'achat pour le monde est en train de terminer, sinon c'est un peu lent. Hein? Et puis on espère que d'ici le dernier minute de la CAN, je vous dis, peut-être à la veille, les gens vont se manifester en gros, prendre en gros ce qui est neuf. Le gouvernement de la République ayant doté la ville de Bafoussam d'un stade au standard international, ils sont nombreux qui veulent vivre l'ambiance des stades lors des différentes rencontres. Seul bémol, le ticket accès au stade n'est pas du tout évident à s'en procurer. Vraiment, c'est une grande joie pour nous et nous ne pouvons pas rester en retrait. On nous a doté de meilleurs stades et nous allons en faire bon usage en nous rendant au stade pour vivre cette fête. Les habitants de Bafoussam attendent avec impatience le kick-off pour vivre les rencontres de la grande messe du football africain, quel que soit le canal, que les festivités commencent. Et puis à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, le ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, Slesn Kecha Koutes, et des Transports Jean-Ernest Ngabibé-Massina ont procédé à l'ouverture officielle solennelle de la circulation sur l'autoroute Yaoundé-Simalène pour ainsi mieux densifier et fluidifier cette circulation des populations et de leurs biens. À raison de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun Total Energy 2022, Jean-Oscar Liboc et Mohamed Essoumadeu. Et ça circule désormais. L'autoroute Yaoundé-Simalène, le ministre de l'Habitat, du Développement Urbain, Cécile Kejakoutez, à ses côtés, son collègue de transport, Ernest Massena Ngaro-Bidehen, a ouvert pour la circulation de l'autoroute Yaoundé-Simalène. Donc, la première phase est désormais opérationnelle. Et c'était devant toutes les autorités traditionnelles des villages et villes traversées par cet ouvrage. La population ainsi que le groupe de danse, Cécile Kejakoutez, qui se réjouit de cet aboutissement heureux et une zone de population à respecter les règles basiques liées aux normes internationales des autoroutes. C'est la mise en service de cette autoroute Yaoundé-Simalène section Race Campagne. Et nous avons fait un communiqué pour demander aux populations de ne plus traverser cette autoroute. Ce n'est pas une route urbaine, c'est une autoroute, une voie très rapide. Et je sais compter sur les leaders d'opinion, sur les maires, sur les autorités administratives, sur les chefs traditionnels, les hommes de Dieu, lors des prochains cultes, pour dire aux populations, le chef de l'État vous a fait un grand don, pour le remercier, c'est d'éviter les accidents. C'est-à-dire que si vous traversez à pied, vous allez causer des accidents, mais vous-même vous faire écraser.
Le chef de l'État n'a pas donné cette autoroute pour perdre certains de ses concitoyens. Il a donné pour booster le développement urbain, pour booster le développement économique de notre pays. Et pour le cas, la Coupe d'Afrique des Nations de football que le Cameroun organise dans quelques jours seulement, la preuve, les Lions ont utilisé cette voie pour rallier leur camp. Toujours en rapport avec la Coupe d'Afrique des Nations, une messe écumène ce vendredi à la basilique Marie-Rémy-Potre de Volier, c'est à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, avant le coup d'envoi de l'événement, tant entendu par le peuple camerounais, mais également par le guide africain. L'archidiocèse est mise aux couleurs de la Coupe d'Afrique des Nations, question de prier pour le bon déroulement de cette compétition. Amand Brice Ngomo et Bertrand Angoula. C'est une messe aux couleurs de la CAN qui se déroule à la basilique Marie-Rémy des Apôtres de Volier, un moment unique avant le coup d'envoi de l'événement. On peut déjà dire avec victoire que l'avènement de la CAN est aussi l'avènement des nouveaux Cameroun qui croient en la paix, en l'unité et à la fraternité. Ici, plongé au cœur de son histoire et de son atmosphère unique, le mythe se donne en toute simplicité, sans aucune distinction religieuse. Prêtres et pasteurs n'ont pas hésité à innover et bousculer les habitudes. Cannes oblige. C'est presque là le Cameroun que l'Église et les institutions religieuses du pays veulent imprimer à cette nation. Que Dieu bénisse la Cannes et qu'il nous amène la paix, la prospérité et le vivre ensemble que nous recherchons dans ce pays. Ministre ou responsable de la République, personnalité sportive était là, sans écharpe ou drapeau de l'équipe du Cameroun, mais fier de confier le déroulement de cette compétition à Dieu. Notre présence, c'est apporter notre contribution à la prière, prier ensemble pour que le Cameroun puisse gagner sur tous les plans. Une messe spéciale foot célébrée en chants et louanges. Comme quoi, la joie, la fête, ce n'est pas interdit dans l'évangile, au contraire. Nous restons à Yaoundé, dans la capitale politique du Cameroun, pour nous intéresser à présent à cette convention de partenariat visant la promotion du tourisme camerounais, tant au niveau national qu'international. La dite convention a été signée entre le ministère du Tourisme et des Loisirs, des sites web réputés, ainsi que plusieurs chaînes de télévision opérant au Cameroun, notamment votre télévision, la télévision du monde. En vertu de cet accord, ces médias seront appelé à diffuser durant la période concernée des programmes pour faire connaître les régions profondes du pays de Paul Biya et à mettre en vitrine les valeurs, les richesses touristiques du Cameroun, parfois insoupçonnées. Voilà la quintessence de cette convention. Amand Brice Ngomo, Elvis Ngwe Ite, voici le reportage. C'est sous signature de convention qui va sans doute braquer les projecteurs sur des récits, des lieux, des modes de vie, des coutumes et des façons de faire réelles, capables de séduire des millions de téléspectateurs et des followers. Voilà qui prouve que même partenaire média visuel sur le public ne se demande pas. Avec ce partenariat, le ministère du Tourisme et des Loisirs vient de basculer de l'autre côté de l'écran. À la demande des plus hautes autorités de notre pays, nous avons décidé de demander aux médias, aux influenceurs, d'accompagner le président de la République, le gouvernement, pour mieux présenter notre pays. Et c'est ce que tous ceux qui ont répondu à notre invitation nous ont assuré que cela sera fait. Les productions audiovisuelles qui seront diffusées par des chaînes locales à forte audience contiendront cet élément de très belles séquences pour illustrer la beauté des paysages, mais également les habitants des régions. Et dans un contexte de numérisation de l'information, il est intéressant de se demander dans quelle mesure le web peut apporter à l'écotourisme la promotion dont elle a besoin. Le fait d'avoir reçu les personnes des médias, les leaders d'opinion sur Internet est une grande avancée et je pense qu'ensemble on pourra créer une vraie marque et un vrai national branding du Mayen Cameroun. Et la Coupe d'Afrique des Nations donne l'occasion de jouer à fond la carte du patrimoine.
Cameroun pour faire venir en masse les touristes. Bilogouba, Imaigari l'a compris. Pour demeurer compétitif, les destinations touristiques du Cameroun doivent non seulement offrir une expérience inoubliable, mais aussi se démarquer de façon créative. Cet accord avec les professionnels des médias, une stratégie de commercialisation audacieuse mise sur pied qui fera graver dans les mémoires des voyageurs la riche diversité du Cameroun. Le tourisme camerounais qui fait sa promotion à la télévision. Voilà qui donnera envie de prendre son sac à dos et partir à l'aventure. C'est un acte fort éloquent à saluer et LTM se réjouit d'être associé à cette démarche communicationnelle. Cela nous demande de procéder très rapidement à un réajustement au niveau de notre programmation pour que nous servions de vitrine à la promotion du Cameroun et de tout ce qu'il a en tant qu'Afrique en miniature. La dynamique qu'il faut désormais entretenir, car la crise engendrée par la COVID-19 a durement ébranlé le secteur du tourisme partout dans le monde et au Cameroun. En gros, on a parlé d'économie, notamment du lancement du budget de l'ISE 2022. Les populations, mais également les autorités administratives, se sont massées aux côtés de tous les autres exécutants à l'effet de suivre la bonne marche des projets engagés déjà en 2021. Ces projets doivent être parachevés courant cette année 2022. C'est la principale recommandation du gouverneur de la région de l'Adamawa. Boubacary Moussa y était, voici son reportage. Les différents intervenants dans la chaîne de l'exécution du budget dans l'Adamawa sont désormais fixés sur l'enveloppe annuelle à la région. Pour l'exercice de cette année, le budget prévisionnel de cette partie du pays est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 14 milliards de francs CFA, dont 8 milliards consacrés à l'investissement public et 5 milliards au fonctionnement. Le gouverneur de la région, qui a procédé à son lancement officiel, a invité les gestionnaires au respect des principes budgétaires. Et vous savez que désormais le gouvernement sera très regardant pour que le budget soit bien géré selon les règles de la bonne pratique, bonne dépense et collecte de dépenses de recettes de l'État selon les règles de la pour que le budget puisse jouer son rôle de développement de vecteur de développement. Durant les travaux, les différents panélistes qui se sont succédés à la tribune ont fait l'économie de la loi de finances 2022. L'une des innovations majeures de cette loi qui a retenu l'attention des parties prenantes est la création d'une taxe sur les transferts d'argent de l'ordre de 0,2% qui fait actuellement couler beaucoup d'encre et de salive. La deuxième année de la hausse de temps, c'est aussi quand la collecte de revenus est non pas la création de l'impôt, mais la mise en œuvre des taxes. À présent à l'international et davantage au Mali où il est question d'un fort déploiement des soldats appartenant à l'entreprise Wagner, rappelant que Wagner est essentiellement constitué de Russes. De plusieurs dizaines il y a quelques semaines, il serait passé à quelques centaines.
Selon nos confrères de l'AFP, de nombreux instructeurs russes ont été déployés ces dernières semaines au Mali. Ils auraient notamment pris position au niveau de la base de Tombouctou, récemment quittée par les forces françaises après 9 ans de présence ininterrompue et une reconfiguration de l'opération Barkhane. Selon un responsable malien, ces instructeurs russes accompagnent la récente livraison d'hélicoptères russes afin de former les militaires locaux à leur pilotage. Bamako confirme bien leur présence, mais pas question de parler de militaires du groupe Wagner. Pourtant, pour les puissances occidentales, ce déploiement confirme leurs soupçons. Le 23 décembre dernier, la France et une quinzaine de partenaires dénonçaient le recours par le Mali au service du groupe paramilitaire russe. Selon notre confrère Wassim Nasre, ce lundi, un convoi des forces armées maliennes, accompagné de Russes qui appartiendraient à Wagner, a été ciblé par des djihadistes du GSIM, affiliés à Al-Qaïda. Une attaque qui se serait produite entre Bankass et Bandiagara, dans le centre du pays. Et puis toujours à l'international, nous rendons aux États-Unis d'Amérique où l'on se souvient encore de ce malheureux incident, cette malheureuse attaque du Capitole du 6 janvier 2021 alors que le Congrès américain se préparait pour dévoiler le nom du grand vainqueur de l'élection présidentielle, Donald Trump, et ses partisans avaient été mis en cause. L'ancien président américain Donald Trump parle et dénonce le théâtre politique et même une mascarade et justice. Dans la nuit froide, l'hymne national américain s'élève au-dessus du Capitole. Sur les marches, des membres du Congrès réunis pour une veillée de prière. Les larmes aux yeux, Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, demande une minute de silence. En mémoire de tous ceux qui se sont sacrifiés pour notre démocratie. Le 6 janvier 2021, des milliers de partisans du président Trump prenaient d'assaut le siège du Parlement américain. Ils veulent alors bloquer l'élection du démocrate Joe Biden. Plus tôt dans la journée, Donald Trump les avait chauffés à blanc, affirmant que la victoire y avait été volée. Un an plus tard, depuis cette même enceinte du Capitole, c'est Joe Biden qui prend la parole. Il accuse l'ancien patron de la Maison-Blanche d'avoir répandu un tissu de mensonges. L'un des grands mensonges racontés par l'ancien président et ses partisans est que cette foule qui a cherché à imposer sa volonté par la violence est le véritable patriote de la nation. Détruire des biens, déféquer dans les couloirs, fouiller les bureaux des sénateurs et des élus, traquer les membres du Congrès, des patriotes, pas selon moi. Privé de Twitter, Donald Trump a immédiatement rédigé un communiqué. Il s'insurge à nouveau contre la fraude dont il se dit, sans en apporter la preuve, victime. Le crime du siècle, écrit l'ancien président, que son adversaire a devancé de 7 millions de voix. Joe Biden a utilisé mon nom pour tenter de diviser encore plus l'Amérique. Ce théâtre politique ne fait que détourner l'attention du fait que Biden a complètement et totalement échoué. Donald Trump assure qu'il s'exprimera le 15 janvier dans un meeting en Arizona. Pendant ce temps, ses partisans se sont rassemblés devant une prison de Washington pour soutenir des personnes arrêtées lors de l'assaut du Capitole. Et puis avant de refermer cette édition de l'information sur la télévision du monde, nous vous rappelons que ce vendredi s'est tenu à Douala les travaux du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Les travaux étaient présidés par le sud-africain Dr Patrice Motsepe, président de la CAF. Et à l'issue de ces travaux, plusieurs résolutions ont été prises, parmi lesquelles la revalorisation des primes de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Cameroun 2021. Désormais, le gagnant de cette compétition va recevoir 5 millions de dollars, soit une augmentation de 500 000 dollars. Le deuxième obtiendra ou recevra la somme de 2,75 millions de dollars américains. Le demi-finaliste également, 2,2 millions de dollars américains également. Le quart de finaliste, 1,175 millions
millions de dollars américains des augmentations substantielles de la dotation des primes de la Coupe d'Afrique des Nations de football, qui est donc l'une des principales résolutions de ce COMEX, comité exécutif de la Confédération africaine de football, qui s'est tenu ce vendredi à Douala en prélude de la Coupe d'Afrique des Nations, dont le kick-off aura lieu dimanche prochain au stade d'Olimba Yaoundé, en présence de Paul Biya, le président du Cameroun, et de bien nombre d'invités de marque. Nous vous recommandons